Mais ouais, tu me dans les même en fait en gros voilà, en tant que streamer, je me suis depuis le début hein, ça fait 6 ans que je stream, je me suis toujours dit que ça serait une bonne chose d'être complètement transparent parce que bah ça permettrait aux gens de savoir en fait comment ça se passe. Donc que ça soit sur les gains, sur les OP, vous savez tout le la totale quoi. Sur Discord et re-ruine, c'est toujours là. Valued personnel, you are precious resources. Your data is prized. This combat test is anticipated. You will now engage in a dinosaur combat test. Exofighters, follow the watcher. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Dash, leap, feed. Initiating dinosaur call mission. Preparing combat area. Please wait. Summon raptors. Summon a stegosaurus. Oh, on va avoir un stegosaure, tiens, stylé. Summon raptors. Après, le stegosaure, il est pas bien méchant, ouais. Ok, les gazeux ont pris lourd. Oh, je kiffe cette. Mais cette nouvelle grenade avec le dédaille, elle rend le truc tellement plus fun. Là, le stégosaure qui nous. Regardez, il y a pas de roulade, mais je fais les roulades. Et hop, ah, pas de roulade, mais je fais une roulade. Connard de joueur. Je crois qu'on était pas trop mal en vrai. Ok. Oh, une roulade. Complètement Akabax. Grosse influence. Après, c'est un jeu de Capcom. Hein. Le jeu est forcément influencé par MH. Et grâce à ce jeu, ça me met dans un esprit en mode le prochain MH, ça va vraiment être extraordinaire. Parce qu'il sera avec le RE Engine. Alors techniquement, Monster Hunter Rise est déjà avec le RE Engine, mais il était pour la Switch. Donc c'est pas pareil, tu vois. Ok, Carnotaur. Ah ouais? Ok. Cette configuration, on la connaît. D'accord, ok, ça va chier les gars donc. Préparez les clips. Protocole d'arrêt reçu. Ah ouais, c'est nouveau ça. Ah mais attendez, bah non, il y a censé pas avoir de nouveauté dans le jeu. Préparez-vous. Oh là. Ah ouais. Il va falloir du heal, c'est ça. Contre le Neo T-Rex, ça sert à rien. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne Roadblock? Honnêtement, il faut un perso qui puisse bouger assez rapidement. D'accord. Parce que le nombre d'attaques qui vont one shot, tu vas rien comprendre. What the fuck? What the fuck? Ah mais c'est un des chasseurs! Dans l'histoire, ils en parlent comme un des Qu'est-ce que c'est que ce mec? Welcome. Ah, Durban, ouais, c'est ça, c'est le tueur. Mais heureux. Heureux, Falco. On va prendre lourd. Sad about Magnum. Dreadful, dreadful stuff. Such a shame to let go of useful personnel. On va se taper le Neo T-Rex, ça, c'est pas ça? Ouais. Si, c'est ça. Business is business, and his je suis passé en leader. Ça marche. Step right up. En sniper, ça envoie pas plus du lourd sur ces zones de faiblesse là? Je me souviens plus. Ça peut le faire aussi, mais le problème du sniper c'est qu'il a très peu de vie quoi. Ouais. Et quand il te balance des armes, il faut que tu puisses espérer pouvoir encaisser deux coups, tu vois. Ouais. Attends, mais il donne des ordres, Léviathan, tiens.
stand by, can't you? Okay. Executing command. Adjusting exofighter survival rate to lowest allowable levels. Initiating extreme combat test. The name's Durbin. Charm. Let's see if you have a chance to remember it. Déjà, on a 2000 raptors qui arrivent avant, histoire de s'échauffer. En vrai, tu sais quoi? Moi, je tente mon roadblock. Je suis meilleur en tank là-dessus. Je suis sûr que je peux le tanker. Ah, ça c'est pour vous les gars. Ok. Preliminary test phase complete. The main phase is where on a que 30 réapparitions possibles. Ah. Et là donc on est les deux teams ensemble. Ouais. C'est trop stylé. Et t'as des zones de faiblesse sur Kino. Il a des pustules et c'est ses grosses zones de faiblesse. Incroyable. J'adore ce jeu. Attends, laisse-moi prendre mettre ma barrière, enfoiré. Ok, il a quasi one shot la barrière, tout va bien. Mais elle a tenu. Elle a tenu. Oh putain. Non. Reviens là. Ah putain, je peux pas. Ah, il tourne dans l'autre sens ce bâtard. Sorry. Est-ce que le laser il traverse ma barrière? Putain. Après, ils descendent bien, hein, vous lui faites mal. Il y a les murs à mettre. Mais il a pas de bras du tout. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est perturbe. Ah, le gazeux de con. Wow, il a enculé la barrière. Il y a un mec qui est dead, je vais essayer de le choper. Ouais, je le raise avec con. Je peux pas. C'est bon, je l'arrête. Ah, il est. Vous l'avez paralysé. Ah, j'ai pas l'impression que la barrière elle arrête le laser. Oh, par terre. Vise ta bouche, ça bouge. Ok. Ouais. Là, ah oui. Ah oui, les dégâts. Ah oui, d'accord. Des gros crits là. Ah oui, effectivement. Les coups de poing à 200, ça fait plaisir, d'accord. Ok. Torquez-vous derrière les piliers. On va arrêter. Sur les piliers, monte sur les piliers. Merde, je peux pas moi là. C'est pas grave, la barrière me protège. Pendant un certain temps. Ah ouais, non. Ah, je vais y passer. Ah enfin, je vais te garder. C'est bon, merci. Ouais, allez, Piloï. Ah oui, d'accord. Ah, oh, c'est génial. Ok. C'est ça le problème. Ok, ouais, donc clairement, on est à distance.
Ouais, ça dure un petit moment son bordel. Hein. Allez, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là. Ok, je vais utiliser mon ulti pour les tisades. Je vais les récupérer. Voilà. Hero crash, c'est ça? Ouais. Wouh! Ah, c'était limite. La barrière tient son explosion, hein, pour l'info. Ouais, je sais, mais écoute, si tu t'enchaînes tous les coups, ça va pas le faire. T'inquiète, on peut la regen. Alors, il est où le truc pour survivre là? Ok, ici. Ah, c'est loin. Ok. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient pour Avorez. Pour Avorez. Je mets rien sur la petite plateforme là, comme ça on est bien. Ah bah, on a pensé la même chose avec l'autre mec, trop bien. Ouais, il en a tué 5. 6, hein. Ah ouais, d'accord, il en a mis 6 avec ça. Il va y avoir des réapparitions là, oh merde. Ouais. Ah bon, il continue le. Ok, j'ai pris un boss. T'es où que je te reste? Je te cherche, ok, je te vois. Il refait quoi là? Ça va, barrière 4 la tenue. Je reste un mec, je sais pas qui c'est. Pour qu'il vous dé un truc. Ouais. T'as tiens ou pas? On va voir. Si tu te fais choper dans le trou, t'es mort. Ah bah, je me suis fait choper. Je suis pas le seul. Ma vie descend, mais pour l'instant, je suis pas mort. T'inquiète pas, ça va pas tarder. Je suis roadblock. Si on n'arrive pas à l'interrompre, ah oui, d'accord, c'est les one shot. Oui, oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas de notion de. D'accord, de point de voilà, vie et autres. C'est il encule. Ok, très bien, j'adore ce boss. Est-ce que j'ai réussi à l'avoir? Ah, vous l'avez gelé. Ah non, chronostase, vous l'avez chronostase, ouais. Je réapparais, je réapparais. Après on est bien, on a encore 13, il a 2 points de vie, on est super bien en soi. Je fais quoi là? À l'explosion. Allez crève enfoiré. GG. Mais c'était trop bien. Bon, j'ai 13 hâte de le faire en Dead Eye pour le coup. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'aggro, il tape un peu, mais pas de ouf quoi. Ah, c'est les trois quarts de ses attaques en fait, c'est les AOE qui nous coûtent de la merde. Peu phare. Reviens. Seul truc que je trouve dommage, c'est quand il fait son truc là, les pylônes. Si t'es du mauvais côté, il met pas de pylônes des deux côtés. Oh. Donc si t'es de l'autre côté, ouais. T'es mort. Il te laisse pas une chance, c'est ça qui est un peu dommage. MVP représente. Bon, bah c'était très stylé. Et donc, pour l'instant, c'est le seul boss Néo. Et après, il y a d'autres boss, mais il y a le Néo Triceratops qui arrive en. Enfin, je sais pas si c'est le seul, mais en tout cas, le Néo Triceratops qui arrive en août. Parce que là. Mais fin du mois, t'as une mise à jour normalement qui va te permettre. Le 28. Quand t'as fini le jeu d'affronter le Néo Rex quand tu veux. Moi, je sais que le mode de jeu, il est déjà. Enfin, il est disponible, mais bloqué. Il y a le Savage Gauntlet. Il y a un tout nouveau mode de jeu qui arrive. Le Savage Gauntlet, un contenu purement PvE qui mettra les squads avec des missions plus avancées, plus difficiles et qui se renouvellent chaque semaine. Ça, c'est à partir du 28. Je sais pas par contre s'il va être disponible pour tout le monde parce que moi, par exemple, je l'ai déjà visuel. Et je l'avais pas avant. D'accord, mais tu peux pas y accéder, on est d'accord. Non, je le vois apparaître, mais je sais pas s'il va falloir finir la campagne à 100% avant ou pas. Je sais pas ce qu'ils appellent par contre, genre là le 17 août, enfin, des variantes alpha d'Exosuit. Mais la façon dont chaque combinaison se joue. D'accord, en gros c'est les mêmes classes mais des sous-classes de classes peut-être. Ou des surclasses, ouais. Un peu comme l'exomec de Durand. Peut-être, ouais. Bon, en tout cas c'était très stylé. Hein. Des extensions ou autres. Mesdames et messieurs, je valide le. Ah oui, deux levels, tiens. Je valide le Nautirex. Ah oui, 122 000 points. Pas mal ça. C'est validé. Nautirex, c'est oui. Il n'y a pas de problème. Ah, cinématique. Ça méritait bien une cinématique en même temps, tel boss.
secret robot handshake. Good morning, Victoria. Oh, see? At least someone knows my real name. Hey, Majesty, sit down. You had a hell of a fever cooking. Okay, brethren and sister, how many people thought Dr. Science was on the level? Okay. Ocular micro-expressions suggest a ruse, double-cross, or bamboozle. I agree. Bamboozle, shut up. You went through all that trouble to ask us for some data. That data is worth checking out. This is a trap. Where's my gun? Okay, you can have that back when you are not hypovolemic, angry, or paranoid. I will aim for 2 out of 3. Ok, petit trésor de guerre. J'espère que vous avez kiffé le Néo-T-Rex au chat. Oh, un épique. Oh putain, encore un skin des Ousuels pour ce perso. Je joue même pas à ce perso, putain. Terrible. Ah, ça c'est toujours pareil. Ça, ça c'est. Pas encore de belle carte d'analyse, on est d'accord. Ah bah non, du tout. Ok, let's go. Peut-être avec un peu de chance, on pourra faire le prochain boss aujourd'hui. Si t'arrives à bien avec cette carte d'analyse. Bah écoute, on va voir. Je suis à 47% pour l'instant, donc il y a encore du temps, je pense. Il y a du boulot. Il reste 2 phases après. Je crois que tu débloqueras phase à 60 et 80%. Et après, t'as le boss final quand t'arrives à 100%. Ou à 99%. Je crois que c'est quelque chose comme ça. T'as pris. Welcome to my research facility. You're on quite a streak. Continue performing at a high level, and your extended existence authorization is all but greenlit. Alors, on a ok. 2 healers de DPS. 2 healers de DPS, un tank. Bon, c'est fait. Tanatan. Petit cookie. T'as bien raison. GG son bureau, putain t'es pas mauvais en vrai. Bah ce soir on en refait hein, c'était chaud. C'est qu'il est pas mauvais son bureau. Bien meilleur que moi, bon c'est pas très dur, je le concède. Ce soir on est sur Overwatch aussi hein, sur Iskan Rush. Tu joues quel rôle? Allez. Ça fera catastrophe, j'étais en 0-4 au début. Ouf. Après ça, c'est jusqu'à 15 défaites. Mais bon, c'est vrai que 0-4. Lucio, t'es un healer, d'accord. C'est même pas healer, c'est Lucio, c'est ça? C'est Lucio, Lucio ou Lucio? Je vois. Ah! Je joue Lucio, Lucio et Lucio Gagnon. Pardon? On aura peut-être un temps complet en fonction des zones. Moi je suis en distance, là je peux rester. Je peux me mettre là. Faudrait qu'il y ait une personne en plus sur le point. On est 3, je crois qu'on peut être à 4 là-dessus. Voilà, impeccable, ouais. 5 c'est rien, mais 4 c'est pas mal. Ça marche. Non, mais écoute, après, une spécialité c'est pas forcément un mal, hein. T'inquiète. C'est nouveau ces dinos rouges là? Oui, c'est des barbares. Ah, c'est la map tourelle, d'accord. Elles tirent automatiquement les tourelles. Ah, ok, elles font les tirs laser, d'accord. Mais elles sont pas automatiques, elles tirent en ligne droite, pour ça faut mieux les passer. Un sniper aussi. Non, sauf s'il y en a encore un autre. Ah oui, au-dessus de nous. Voilà, il est mort. Putain, c'est long à charger, le connerie. Pourtant, il est bien placé. Alors, merci, il y a souvent Sueur dessus qui est justement main merci.
Ah bah parfait, les tourelles sont encore très bien placées. Je reviens, je vais chercher les tourelles. Parce que j'en ai deux à looter. Ça marche. Alors, où est-ce qu'ils peuvent? Oh putain! Les tourelles ont sauté. Putain, j'arrive même, j'ai même pas le temps de les remettre. Il y a tellement de mobs à droite là. De Dieu, je vais y passer. Hein. T'as parié de vite. Merci beaucoup. Ce fut 50 points de vie, je crois, je tombais. C'était très très short. Slower. Slower tout de suite, ça va. Tiens, ça c'est un des nouveaux jeux sombrero de la malédiction SK aussi. Parce que pour ceux qui me connaissent que récemment, j'ai une grande tendance à kiffer des jeux qui sont un peu mal aimés. Hein. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est pas qu'ils sont mal aimés. Je vous donne plein d'exemples, j'en ai une chier. On commence par Outriders, j'ai été premier FR à chaque fois, un des rares à le streamer. On peut également aller chercher Godfall, dans le même style. Techniquement New World aussi, hein, je suis aussi premier FR. New World, tout le monde pense que c'est de la merde, hein. À chaque fois que je fais une vidéo dessus, on me dit que c'est de la merde. Bah écoutez, regardez les notes de New World, pourtant il est très bien noté, mais bon. New World, Godfall, on a eu Outriders, on a eu... putain, j'en ai eu un autre aussi, un shooter... Shooter, Anthem, voilà c'est ça, ça c'est un des plus gros Anthem. Que... Ah, Neozer Future Anthem, j'ai adoré moi. Ah, tout pareil, voilà. Tous les jeux où ça cartonne sur la chaîne, mais toujours les gens pour me dire que c'est de la merde. Écoutez, moi je kiffe, hein. J'aime le caca. Oui, c'est le même style de jeu, on est bien d'accord. Alors, on se ressemble. En vrai, même si là il y a des exosquelettes, crois-moi, ça n'a pas grand-chose à voir ce jeu et Anthem. Mais, je conçois le. Ah oui, non, merde, c'est nul. Je conçois la ressemblance. Mais oui, globalement, c'est du shooter. Shooter, mais de type. Pas de type Call of Duty quoi. Outrider, c'est tout, c'est du, effectivement du shooter-looter. Là, c'est encore différent. Là, les gens en fait pensaient que c'était un shooter-looter. Alors que c'est un Overwatch-like. Bah, justement, non, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'Outrider, c'est un peu du hack and slash donc. En vrai, oui, en partie. Hein. Compliqué à expliquer. Warframe, j'ai pas streamé pour le coup. J'ai testé, je trouve que c'est instreamable Warframe. Ok, c'était Ankylosaur derrière, je mets mon ult. Oh, c'est nul mon ulti sur l'Ankylosaur. Putain, on en chie, hein. Il est passé, non? Sniper est mort. Hey! Spike, tout sauf le Stark SVP. Alors le Stark c'est une grosse merde quand même. Moi, je suis désolé mais le Stark c'est pas un, enfin, une grosse merde. Il y a les pros le Stark qui vont mal le vivre mais le Stark n'est pas un bon jeu. Il est trop prédateur en fait. Il aurait pu être un bon jeu, il y a des choses très bien dans le Stark. Mais il y a des choses en fait... objectivement il y a des gros problèmes en termes de prédation sur le Stark. Il y a des choses magnifiques aussi, notamment le gameplay, ça je suis d'accord. Des raids et tout, c'est génial. Excellent PvE, voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le PvE est très bon, le gameplay est bon. Le problème, c'est le Genzang Predator qui me dérange très fortement. Mais oui, le principe de raid et de PvE et tout marche très bien. Ça, faudrait être débile pour la comprendre. Non, j'ai streamé Lost Ark, hein, ça a bien marché. Ouais, non, mais ils sont. On est à la bourre, voilà. Moi j'ai arrêté le stack, quand ils ont sorti le pass premium, le pass super premium, oui c'est pas une blague, hein. Il y a un pass premium et il y a un pass super premium. Il n'y a pas de blague là-dedans. C'est bon. Putain on a tellement à la bourre, on s'est fait déchirer. Ah oui, alors je joue pas des gachas Kinger Ghost, en tous les cas des vrais gachas. Le Stark a une... Ah oui c'était, on avait le bar, je l'avais pas vu derrière, ok. Il faut savoir qu'ici tu ne verras jamais King Argos de gacha.
Genshin Impact, Onkar Style, machin truc, Red Shadow Legend, tu n'en verras jamais ici, peu importe le prix qu'on paye. Littéralement, on me filerait 10 millions d'euros, je ne streamerais pas un Genshin Impact. Parce qu'en fait, les gachas, c'est du casino. Et ça nuit très 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 fortement aux gens. Et peu importe la somme, je ne mettrai jamais ce genre de contenu en avant. C'est quoi ça? Temps d'amélioration? Oh là! Ouais. Your individual scores will determine the strength of the upgraded dinosaurs attacking the enemy team. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quand t'as joué en français, c'est simple. Plus tu vas avoir ton score d'amélioration, quand tu vas te transformer en dino, quand tu vas prendre l'apparence de ton raid, de ton machin, tu seras plus puissant. La puissance de ton dominateur sera augmentée en plus de level. Ok. Dinosaur call. Bon, je sais pas où t'as vu que ça doit être interdit en Occident par contre. Faut savoir que, tu sais qu'un des gros problèmes de Lost Ark, c'est aussi la version occidentale. Hein. Le cœur du jeu est déjà flagué. Mais alors c'est un pay-to-win, gacha j'en sais rien. J'avais vu pas mal d'aspects effectués en pay-to-win quand j'y jouais, en 200-300 heures. Gacha ça m'a pas marqué peut-être, hein, je sais pas. C'était un pay-to-win à sa sortie, je sais pas si ça a changé depuis. Mais honnêtement, je m'en fous hein, par contre. Allez. Ok, on les a un peu rattrapés là-dessus. On a encore 15-20 secondes de retard, c'est pas dramatique en vrai. On peut s'en sortir. Allez. Je pense que tu dois être belge, non? Ah, ils viennent de finir. Ah putain, ouais, non. Tu dois être un belge. Est-ce que. Ah, encore un. Ah, mais. Est-ce que t'es belge, King of Ghost? Je confonds peut-être avec. T'as Star qui l'a interdit ou pas en Belgique d'ailleurs? Je sais plus. Je crois que oui. Hein. Parce que vous avez... En fait, les jeux interdits en Belgique, c'est pas les. C'est juste des jeux en fait où il y a une notion random, même des lootbox qui est débile. Qui est très très con pour le coup, ce que le box cosmétique s'en bat les couilles. Il est où le Pachy? Ah putain, merde. Il est où ce bâtard? Ah. Non mais article, ça faut arrêter avec ce cliché, hein. Les Asiates ils aiment pas ça. J'ai déjà été sur les forums Reddit coréens, je traduis sur Google, hein. Les Coréens ils râlent aussi de Lost Ark. Hein. Ça faut. C'est pas parce que les Asiates ils ont ça qu'ils sont d'accord. Hein.